Salut les motards, il faut de motards. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, c'est bien moi, Belefonto, qui vous parle aujourd'hui. Les images que tu vas voir dans cet épisode de Motard vs Quotidien ne représentent pas forcément les comportements à reproduire sur la route. Donc soyez toujours vigilants et prudents envers vos autres usagers dans la route. Roulez toujours bien équipé, c'est hyper important. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Ça va, j'ai glissé, mais ça va. Ouais, ça va. J'ai glissé, c'est mouillé, voilà. Putain, j'allais pas vite pour toi. Fais chier. J'ai glissé, mais ça va, c'est gentil. Ça pourrait aller mieux. J'ai glissé, ouais. J'ai glissé, je pourrais pas repartir. Je suis presque sûr que t'as pas le droit de faire ça. Presque. Mais après, je suis personne, tu vois. Oh ouais, t'es pressé toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il branle? Les gens sont pressés aujourd'hui. Oh ouais. Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con. Oh mais c'est Zinzin d'être teubé comme ça. Tu serais gentil de me laisser passer d'abord avant d'avancer, madame. Ça va m'énerver ça. Drzga, drzga.
pour l'enlever, mettre neutre. Oh, mais là, ils vont me visionner, ils vont pas venir. Hein. Bon courage. Ouais. Est-ce que la voiture bleue va faire de la merde? Oh ah putain! Oh! Mais sérieux, il est trop con lui! Putain, c'est un ouf! Oh, fais gaffe, mec! Vas-y, roule! Fais attention à toi! Putain! Oh la vache! Ah, j'ai failli me le prendre! Oh, c'est un ouf, lui! Putain! Oh, c'est un ouf! En plus, je l'ai dit! Oh. J'ai dit, est-ce qu'il va faire de la merde lui? Putain, il a fait de la merde. Et moi j'ai été con parce que j'ai pilé, j'ai freiné alors que j'aurais dû faire un évitement. Putain, j'ai pris un coup dans les couilles. Putain, ça merde. On bat les couilles, frère. Ouais, à droite, c'est pas leur truc. Attends, le mec il est passé, mais vraiment il... Ici c'est le zoo. Il est de par la droite, il est fier de lui. C'est pas comme ça qu'on prend un rond-point. Bon, que veux-tu? Voilà. Et ça donne des permis accompagnés. C'est compliqué, hein. Ça veut dire que t'étais en plein phare. Ah non, j'ai pas pété. Ah, t'y étais? Ah, j'ai pas pété. Ah. Oui. Ah putain, j'arrive. Il y a mon beau-frère qui vient de m'appeler parce qu'il était juste derrière moi. On allait chez ses parents pour déjeuner. Et il y a une dame qui lui est rentrée dans le cul. Bah je fais demi-tour, hein. On va le rejoindre. Fais chier. Bon, où est-ce qu'ils sont? Ça va? J'avais pas démarré donc attends. J'ai tombé entre mes jambes. Ah, pas de bobo? Non. T'es pas tombé? Non, elle restait. T'es resté droit? Non, c'est droit. D'accord. Ça a tapé dans le pneu? Un petit peu, ouais. Faut regarder le châssis après. Ouais, je sais, le moteur derrière. Ah, faut la faire ramener là-bas. Ouais. C'est bon, ça peut la... Bonjour. Deuxième compte ça amiable en 50 ans, c'est pas mal quand même. Ah! Qu'est-ce que vous avez pris du coup? Ça a tapé par où? Là? Ouais, c'est là. Ouais. C'est une trace de pneu, quoi. J'ai même pas regardé. Ça a pas tapé très fort, mais ça a couché la moto, quoi. Ouais. Oui, je l'ai poussé en fait. C'est au démarrage? Ouais, juste à l'arrêt. Ah, bah juste derrière moi, quoi. Ouais, c'est ça. Ah! Moi, je suis le véhicule A. Je suis le véhicule B. Donne-moi tes clés. Donne-moi tes clés. Bon,
plus de peur que de mal. On va aller regarder les dégâts. Ouais, j'ai vu. En fait, le truc, c'est que tu peux pas la redémarrer tout de suite quand elle est couchée. Ouais, c'est ça, il y a un déjaugeage. Exactement. Oh là, j'avais perdu ma batterie. Mais elle tournait encore quand je l'ai arrêtée. Madame ? Je vous suivais, je vous regardais. Je regardais à gauche, vous étiez parti, je savais que vous étiez ensemble. Oh, ouais, une faute d'inattention, on va dire. Je sors de la clinique, je viens de déposer mon mari qui se fait opérer d'un rein. Ah. Ah, j'ai peut-être un peu la tête en l'air, je sais pas. C'est comme les parents qu'on aurait eu retard. Un peu, oui. Jusqu'à ma main, c'est rigolo. Ah ouais, mais c'est une nouvelle version. C'est parce que la nouvelle version, c'est 15 ans. Ah ouais, bah, c'est pas mal. Alors, Bah au moins, vous êtes là, ça va. Ça va. Ça va être matériel. Tant qu'il n'y a pas de dégâts humains, pour moi, c'est essentiel. Ça va pour vous, madame? Ça va? Ouais. Je vous dis. Ok. Non, vous pouvez repartir tranquillement. Oui, oui, ok. Vous les faites réparer où, les motos? Bah là, ça va être chez Honda, directement. Nanester, ouais. Ouh. Ah, j'ai failli me bouffer. Avec le gadou. Ah, 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 fuck. Que estaba detrás de la chatarra, sí. Le he adelantado y me he puesto detrás de la chatarra. Ya ha cogido, se me ha puesto a mi lado y me ha dado toda la. Buah, me ha querido tirar. Para la gama, me ha reventado el pie. Me ha hecho polvo, me ha doblado. Me duele un poco, ahora es tan caliente, no me duele mucho. ¿Pero lo ha hecho a propósito? Que sí. Y él estaba en el arcén y todo. Y mira para atrás y digo, ¿dónde va? ¿Tú qué eres, tonto? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres un hermano? ¿Tú sabes que me podía tirar? No, yo soy motero. Tú eres una mierda. Vale, vale. ¿Te has adelantado? ¿En una recta? ¿Y dónde tenías sitio para meter la moto? Tenía en ningún sitio, perfectamente. Estaba yo en la curva, te has metido de lado. Me has dado el coche. Y no tienes un poco de civismo, tío. ¿Y tú no tienes cabeza? Pero es que no es normal. Es que no tener cabeza, si es que podía meterme perfectamente. No puedes coger y tirarme al suelo si yo quieres. No te tiré al suelo, tú seguías ahí por el carril contrario en medio de la. ¡Curva! El contrario, si estaba ya estabas mi carril, en el carril contrario. Estaba ya en mi puto carril. Y tú coges crees? Y me das, casi me tiras al suelo. La policía vas tú que me has hecho casi que me tiras al suelo. ¿Tenías sitio para meterte? ¿Dónde te has quedado? ¿Me podías en el carril contrario? No me he metido. No me he metido y después no me has dado. No te has metido, tú. Yo no te he dado. ¿Dónde te he dado? En la pierna. En la puta que me has reventado. En la pierna, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿dónde estabas? Pero si estaba ya en mi carril. ¿Dónde estaba? Si he mirado para atrás y estabas tú en el arcén. ¿Cómo que dónde estabas? Si estabas tú en el arcén es porque estaba yo en mi carrera. A mí no me toques. No me toques. No, a mí no me toques tú. Mal. Llama a la policía. Antes de adelantar, tienes que saber lo que tienes que hacer. Y no tienes ni puta idea de lo que has hecho. Vais adelantar, como puta cabra. Adelantar, punto. No, adelantar, punto. No he hecho nada malo a nadie. La puta curva. No he hecho nada malo a nadie. No he hecho nada malo a nadie. Tú sí. ¿Sí? Sí, que casi me tiras, vale, eso es lo que has hecho. Sí, claro. Eso es lo que has hecho. Claro, es lo que he hecho porque te has puesto en medio. Tranquilo, no toques, que te estoy grabando, te estoy grabando. He grabado como tú le has empujado a él, ¿vale? Ha sido el primero que le ha tocado a él, mira, pero él no te ha tocado en ningún momento, ¿vale? C'est rouge, madame. Vas-y, recule. En fait, le feu, il est passé au vert, le feu piéton. Mais je pense qu'elle a cru que c'était notre feu qui passait au vert. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais pareil qu'elle, je me suis arrêté 3 mètres après. En mode, ah merde, c'était pas notre feu. Pourquoi il y a des voitures là qui traversent? 3, 2, 1.
Allez, c'est vert maintenant. Voilà. Putain, t'es pas prioritaire, hein. J'ai mon clignotant activé depuis facile 15 secondes. Et vas-y, qu'elle me coupe encore la priorité. Elle a un stop, hein. Moi, si j'y vais, qu'elle n'est pas encore engagée, bah, c'est à moi la priorité. Hein. Bye. Imagine pas cette vie sans ta raquette. Oh, je suis mort. Au moment, il me disait bonjour à moi. Du coup, le scooter, il a cru que... Il disait bonjour à lui, et du coup il m'a dit bonjour à moi. Et là t'as le scooter qui me double, et t'as deux gars dessus. Avec un, on voit la moitié de sa raie du cul. Oh là là, les gens, franchement. Équipez-vous, hein. Peut-être une face levée, c'est pas grave, ça je m'en fous. Mais équipe-toi au moins, et remonte ton short. Putain, mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'arrives comme une balle sur ma droite et un bus tu te rabats sur moi. Regarde-le. Oh, ça m'énerve les gens comme ça là. J'appuie sur verrou. Merci de l'avoir nettoyé, Gafouche. Merci. J'ai pas trop tendu le guidon. Non. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus de force. Oh, c'est bien, c'est stylé. Mais en vrai. Non, c'est bon, il a pas bon. Oh, vas-y, refais. Oh, j'ai de l'eau là, je crois. Là, je crois que j'ai de l'eau dans le moteur là. Tu prends avec moi en face. Un, deux. J'ai les pieds trempés. Bon, on repose. Vas-y. On lâche. Ouais. Un, deux, trois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker et à activer la cloche. Je vous dis à une prochaine VLF Moto.